Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon nouveau colis d'été. Je viens de le recevoir, j'ai trop hâte de l'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un colis d'été de la boutique Sibella Scrap. Donc comme vous le savez, au mois de juin, Sylvie m'a contactée et j'ai commencé à travailler avec elle en tant qu'invitée créative. On avait décidé que ça serait jusqu'à mi-juillet à peu près. Et finalement, on a prolongé tout l'été parce qu'il y avait le tournoi. Et du coup, Sylvie m'a proposé si je le souhaitais de continuer à travailler avec elle. Et c'est tellement que du bonheur de bosser avec cette femme que voilà, je ne pouvais pas dire non. C'était impensable. D'abord parce que j'adore Sylvie et puis parce qu'en plus, voilà, je trouve que c'est vraiment le compromis idéal d'être d'été pour une boutique comme la sienne. C'est une boutique généraliste, c'est-à-dire qu'elle fait toutes les marques ou presque. Et du coup, on n'est pas vous savez, moi, ce qui m'embêtait un peu, c'était le fait de me scraper qu'avec une seule marque. Je trouve que c'est contraignant et difficile parce que j'aime toutes les marques et que j'avais envie de vous présenter du coup des produits de d'autres marques. Donc voilà, je trouve que c'est génial. Alors, je vous montre quand même parce que j'adore, moi. Tout est super bien emballé. On a un petit paquet où il y a tout ce qui est tampons et choses comme ça, dyes, etc. Non, tampons. On a dyes et die cut, petits trucs comme ça à côté. Et les papiers sont toujours bien emballés dans un petit emballage en papier de soie, bien séparés du reste pour être protégés. Franchement, je n'ai jamais eu un produit qui arrivait ne serait-ce que corné. J'ai fait une petite commande il n'y a pas longtemps et c'était corné, plié. Enfin, ça me saoule quand ça arrive dans cet état-là, c'est vraiment pénible. Et là, je trouve que vraiment le soin qu'elle apporte à chaque commande, sachant que c'est une petite boutique et qu'elle travaille à côté, il faut quand même dire ce qui est, à plein temps en plus. Franchement, je trouve que c'est vraiment génial qu'elle prenne le temps de tout emballer comme ça. Je trouve ça super. Donc, merci beaucoup Sylvie du dévouement que tu as envers tes clientes. Parce que bon, là, c'est un colis d'été, mais je suis aussi cliente de la boutique, hein. Vous le savez, moi, ça fonctionne comme ça chez moi. Vous m'offrez quelque chose, je commande presque autant en retour. Parce que pour moi, voilà, je n'ai pas envie d'avoir l'impression de profiter de qui que ce soit. Et puis en plus, sur la boutique, voilà, je trouve toutes les marques que j'aime. Donc voilà, je commande chez mes achats aussi sur la boutique. Je complète quelquefois aussi quand il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Donc là, il y a essentiellement deux collections. Je vais tout ouvrir. Désolée pour le bruit, je vous fous d'un coup, comme ça, c'est fait. Ça évitera que je refasse du bruit ensuite. Il y a deux collections dans ce colis d'été. Il y a Intemporel des ateliers de Karine, enfin une partie de la collection Intemporel. Et la nouvelle collection qui vient de sortir, la marque italienne Paper Nova, qui s'appelle Simplimi et que vous allez voir, elle est juste sublime. Franchement, moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc, c'est cette collection-là. On verra mieux de ce côté. Voilà. Alors, moi, j'adore les couleurs. J'adore le design, etc. C'est très, voilà, on dirait des tampons de fond utilisés. J'adore. C'est quelque chose qui m'a tapé dans l'œil direct. Donc quand Sylvie m'a proposé de me l'envoyer, j'étais ravie. J'ai plein d'idées et plein de projets avec. Donc franchement, je suis ravie. Donc je vous montre avec dans la collection, on a une petite planche d'étiquette comme ceci. Je vous les montre d'un peu plus près. Hop, donc on a des petits textes en français, en anglais et en italien. Alors moi, ce qui me plaisait beaucoup dans cette collection, c'est que la famille de mon mari est italienne, en partie, hein, puisqu'il est italien et d'autres choses. Et du coup, j'avais très envie d'avoir cette collection, notamment pour ça, parce qu'il y a des textes en italien. Et je voulais faire, vous verrez dans les projets que j'ai, je veux faire quelque chose pour la famille d'Italie. Et du coup, le fait qu'il y ait la possibilité d'utiliser certains des éléments avec écrit directement en italien dessus, enfin, je pense que, je sais que pour eux, ça serait un geste important et symbolique, voilà, de dire, voilà, ils ont fait l'effort en plus de nous montrer des choses en italien, nous écrire les choses, nous faire les choses en italien. Donc voilà la première page avec les cartes de Project Clef. Franchement, les designs, ils sont trop beaux. J'adore cette espèce de petit arc-en-ciel. Là, il est magnifique. Les coloris sont sublimes. Et le dos, c'est des petites croix. Voilà, c'est vraiment le papier où vous pouvez venir travailler après avec vos encres, faire ce que vous voulez. On a celui-ci avec des petites taches d'aquarelle. Vous voyez, il est fait un peu taches d'aquarelle diluées. Et on a les mêmes taches, mais en beaucoup plus grand au dos. Franchement, ces papiers, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. J'adore. On a celui-ci. Et le dos est comme ceci. Les couleurs sont douces, ça reste pas, c'est pas agressif à l'œil, je trouve. J'aime vraiment. C'est un gros coup de cœur, vous l'avez compris, ça y est. Vraiment un coup de cœur pour cette collection, je la trouve sublime. Je me suis en train de me faire préparer une petite commande, je pense que je vais me la reprendre un deuxième exemplaire parce que j'ai envie de faire des petits mini avec. Voilà, pour offrir, c'est des couleurs qui, je pense, iraient bien avec les photos de mon mariage. Donc voilà, pour offrir à ceux qui étaient là et qui ont partagé ces moments avec nous, des tout petits mini ou des petits, voilà,
Vous savez, les trucs en, les trifolds, je crois qu'on dit aussi en trois parties et quelques photos à l'intérieur. Je trouve que ça pourrait être génial. Donc, on va continuer. Elle m'a mis ceci pour aller avec. Donc, ce sont des petites planches d'étiquettes de chez Diancie. Ils en font plein. Ils en sortent beaucoup en ce moment. Il y en a une aussi qui est dans les tons de la collection Au jardin de mes petits ciseaux. Et il y a plein, plein de petits textes. Ils sont vraiment très, très chouettes. Et au dos, on a plusieurs bandes, comme des bandes un peu effet masking tape de plusieurs tailles et de plusieurs coloris. J'y trouve vraiment très, très beau. Et en plus, il y a vraiment, c'est tout en français. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est tout, tout du texte en français. Et franchement, les textes, enfin, je sais pas, regardez vous-même. C'est des choses qu'on utilise tout le temps, quoi. J'adore. Alors du coup, voici, ouais, si c'est pas pile les coloris, c'est pas. Il y a beaucoup de couleurs qui se retrouvent, d'autres qui sont trop différentes. Mais ça me permet d'avoir plein de petits die-cuts. Moi, je vais les découper, ça me fera plein de petits die-cuts pour la suite. Ensuite, je vais vous montrer la planche de tampon qui va avec. Alors pareil, vous avez compris tout de suite, rien qu'en voyant ça, que j'allais craquer dessus. On a plein de petits tampons de fond, on a les petites croix, on a des toutes petites étoiles, des minuscules petits cœurs ou triangles, je ne sais pas. Ça peut faire des petits cœurs ou des petits triangles. On a les taches, on a les deux arcs-en-ciel de deux tailles différentes. Et on a plein de petits textes. Donc, on a Adorable Moment, Amicizia. Donc, je suppose que ça veut dire amitié. Ensemble, famille, smile, selfie, souvenir, love. Ricordi, qui veut dire souvenir en italien. Et Memories. Et on a les petites étiquettes ici qui sont très sympas aussi. Franchement, cette collection, elle est topissime. J'aime trop. Il y a des fois où voilà, on voit des nouveautés, on se dit oh, c'est sympa, et puis après en vrai ça rend pas aussi bien. Mais alors en vrai, j'aime encore mieux les couleurs, c'est pastel, c'est doux. Enfin, je vous remonte, mais c'est vraiment trop beau les couleurs, quoi. Faut que je me la reprenne, c'est sûr. Je vais faire des mini avec, c'est obligé. Ensuite, on va passer à la collection intemporelle de Karine. Alors j'ai trop hâte de la découvrir parce que les couleurs sont très douces. On est sur des tons un peu nude, etc. Et du coup. Je trouve que c'est un peu comme la collection Carnet de route, je pense. Et en voyant la première page, celle où il y a les cartes de projectage, je me dis que c'est exactement ça. Ça rend pas assez bien en photo. Ça rend pas la collection toute la beauté qu'elle, toute sa beauté. Je trouve que c'est vraiment dommage d'ailleurs. Donc voilà la collection intemporelle, qui est juste magnifique. Franchement, en photo, ça rendait pas aussi beau. Oh, j'adore les couleurs, c'est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et le dos, alors c'est un effet un peu effet tissu dans les tons beige. Ensuite, on a celui-ci avec tout plein de petits animaux dessus, des papillons, des oiseaux. Et le dos, c'est un effet bois. J'adore les couleurs. Alors, dans mon panier, j'ai mis une oxyde qui ira très bien avec, je pense. Je ne l'avais pas en version oxyde, c'est la Pumistone. Je pense que c'est une oxyde qui peut aller très très bien avec si vous cherchez des couleurs pour aller avec. Et le dos, donc, c'est un quadrillage comme ça. Ensuite, on a celui-ci qui est magnifique. Alors, c'est pareil en photo, je ne voyais pas du tout ce qu'il rendait. Je suis désolée, la lumière n'est pas top. Est-ce que si je me décale un peu. Ouais, c'est mieux, j'ai peut-être moins là-dedans. C'est pas mieux. Je voudrais que vous arriviez à bien voir. Alors là, ouais, quand on est un peu plus dans l'ombre, ça va mieux. Et le dos est comme ceci, il est magnifique celui-là aussi. Cette espèce de d'osier tressé. On a celui-ci. Alors, cette page, je l'avais repérée parce que Soraya Maers, je crois que c'est ça le nom, Soraya en tout cas, elle s'est amusée à venir découper l'intérieur en fait pour en faire, pour les ouvrir en fait, ces petits croisillons. Et je m'étais dit, oh, ce boulot de fou, moi qui adore détourer, je me suis dit, au cutter de précision, c'est pas facile. Mais le rendu était vraiment, vraiment trop beau, je vous promets. Allez voir, n'hésitez pas à la regarder. Et le dos, c'est un effet tissu un petit peu. Ensuite, on a celui-ci qui est très très beau. Là, ça fait les petits carreaux de mosaïque. Alors, vous pouvez les utiliser séparément les uns des autres ou les utiliser comme fond, mais c'est vraiment très beau. Et derrière, on a les petits croisillons. Il y avait une collection où je les avais déjà eus et je m'étais amusée à enlever les intérieurs en fait et à m'en servir comme un treillage. Et ça peut rendre quelque chose de très sympa. Et enfin, pour terminer, on a le vélum. Je vais vous le mettre sur un papier de fond, je vous le dirai peut-être un peu mieux. Voilà. Avec des chiffres. Dans différents tons. Alors, on a du noir, du gris et un espèce de beige, beige brun. Ensuite, on a les trois unis assortis. Alors, ça, j'aime bien maintenant. Il y a beaucoup de boutiques qui le font. Oh, je suis plus dans le cadre. Qui le font avec leur collection de sortir des unis. Donc, là, ce sont les unis d'intemporel. Donc, la première dans les tons un peu gris-brun. Donc, vraiment les tons de la couleur un peu de pumistone. Et le dos est uni. Et ça, j'aime bien parce que quand vous faites vos découpes dedans, vous pouvez utiliser ce côté, par exemple, pour faire un fond.
de pages. Et le dos, vous y faites vos découpes qui vont du coup vraiment bien ressortir puisque c'est coordonné. Et la dernière qui est plus dans des tons bruns, plus chauds. Là, on va être plus sur pour les encres sur de la frayed burlap ou des choses comme ça, ou de la walnut stain. Je pense que ça peut ressortir très joli. Voilà, des tons de brun et le dos est brun ocre un peu. Je trouve que vraiment, elles sont trop belles. Voilà, confirmation de ces deux petits coups de cœur. Je les avais trouvés jolis en les voyant. Je m'étais dit, oh, c'est joli, mais... Voilà, juste, oh, c'est joli. Et en fait, elles sont magnifiques. Donc voilà, vous fiez pas aux couleurs aussi, c'est dur. Même moi, en vidéo, du coup, ça va peut-être pas rendre super. Mais les couleurs sont beaucoup plus soutenues. Enfin, notamment la page de Projet Claire. Moi, j'avais l'impression qu'on voyait à peine les fleurs. Alors ça, c'est un tampon, d'ailleurs. Je me suis mis dans mon panier, je le veux absolument. Voilà, qui fait ces effets de fleurs. Et ça s'appelle fleurs en détail. Il est vraiment magnifique, ce motif. Voilà, les couleurs sont beaucoup plus soutenues en réalité. Et j'aime beaucoup plus que ce que j'avais pu voir. Ensuite, on a un petit lot de die-cuts. Donc, c'est les die-cuts de la collection intemporelle. Alors, je ne vais pas les ouvrir, mais je vais vous dire combien il y en a quand même dedans. Est-ce que c'est marqué? Non, ce n'est pas marqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 29, 30, 31, 32, 33, 34. On doit en avoir une quarantaine à peu près dedans. Alors, on a des étiquettes de texte. Là, des étiquettes de texte, on a les petits cœurs, on a des tags, on a des étiquettes hexagonales, triangulaires, des grandes bandes. Franchement, ils sont super jolis. Alors, par exemple, on a le bonheur se construit ensemble, savourer la vie, jardin secret, fabrique à bisous, âme sœur, mon amoureux, l'amoureux, la vie est douce. Enfin, franchement, ils sont très très chouettes aussi. Elle m'a mis aussi un des dies de la nouvelle collection, donc intemporel. C'est ce souvenir des belles choses. Je le trouve mais magnifique. Enfin, je ne sais pas, vous me direz si vous aimez. Je le trouve trop beau. Alors, quand je l'ai vu, je n'ai pas regardé la taille qu'il faisait. Et en fait, si vous regardez de ce côté, il est plus petit en vrai, j'ai l'impression. Peut-être je me gourre, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit. Je le voyais immense, en fait. J'ai l'impression que ça allait faire un très très gros texte, un peu comme La vie est plus belle au soleil, un truc qui prend voilà, toute la largeur d'une la longueur et la largeur d'une carte si vous faites une carte, par exemple, avec. Et en fait, non, ça va, il est nickel au niveau du format. Sur une page, il passe sans problème. Et même sur une carte, je pense qu'on peut l'utiliser. Il est vraiment très sympa. J'ai craqué sur d'autres. Hein, vous verrez quand je recevrai, je vous ferai un haul de ma commande ensuite, dès que je l'aurai reçu. Les dies sont vraiment très très beaux aussi. Ensuite, dans les tampons, alors je les découvre parce que sur les visuels on les voit pas très bien. J'adore, vous allez comprendre tout de suite, c'est herbe folle. Vous comprendrez tout de suite pourquoi j'aime. C'est rempli de feuillage. J'adore. Alors, les textes sont super sympas. Ils sont vraiment super sympas. Regardez, ils sont trop beaux. J'adore la petite jarre avec les petites fleurs à côté. J'adore ce grand feuillage. Franchement, après, vous l'embossez en blanc sur un fond un peu craft ou taupe, ça peut rendre super bien avec les papiers de la collection. Je pense que ça peut vraiment... Vraiment, cette collection, elle est superbe. Et elle m'a mis celui-ci, les seaux, authentiques seaux. Il s'appelle... Celui-là, c'est Herbe Folle. Et celui-ci s'appelle Authentique Seaux. Ah, oh, c'est génial! J'arrivais pas bien à voir ce que c'était. Donc, ce sont des cachets, un peu effet cachet de cire. On a des petits seaux, on a des petits cerfs comme ceci. Ils sont magnifiques. Ah bah, je les avais pas vus, je l'aurais pas prise la planche de prime abord. C'est pas celle que j'aurais choisie en premier, mais je, ah, franchement, énorme coup de cœur sur celle-ci. Oh, j'adore. On a plein de petits cercles, voilà. Par exemple, si vous faites un petit mini avec un accordéon, vous pouvez utiliser le petit cachet de cire, le gros là, comme ça, le mettre par-dessus et vous mettez l'aimant dessous et en dessous de la page en dessous du mini et ça vous permet de finir votre accordéon. Je pense que ça peut rendre magnifique. Pareil, ceci, voilà, pour faire des petites décos sur une carte, sur une page, ils sont magnifiques. Oh, j'adore. Non, franchement, je suis ravie. En même temps, ça m'étonne pas parce que c'est Sylvie qui choisit et Sylvie, elle a énormément de goût. Elle a malheureusement pas assez de temps entre la boutique et voilà, la vie quotidienne et son boulot pour pouvoir scraper comme elle le voudrait. Je vous encourage à aller voir sur le groupe Cybella quand elle propose des créas. Elle fait des choses magnifiques et elle a le don, je trouve, d'assortir les produits entre eux et de voir voilà l'utilité que peuvent avoir chaque tampon, chaque collection, etc. Et à chaque fois qu'elle me fait un colis, je me dis.
Ah, j'aimais bien celui-là aussi, j'aimais bien celui-là aussi. Donc voilà, je complète bien évidemment, c'est le jeu aussi. Mais à chaque fois, je me rends compte en fait que ce qu'elle a mis, il y a des possibilités inimaginables et qu'elle a vraiment tout réfléchi et tout anticipé en amont. Mais alors celui-ci, voilà, franchement, je suis pas sûre que je l'aurais pris de moi-même. Et quand elle me l'a proposé, je me suis dit, si elle me le propose, vu le goût qu'elle a, il est forcément top. Et alors je l'adore. Je pense que ça va devenir une planche chouchoute. J'adore, j'adore, vraiment. Et pour finir. Alors, elle m'a mis ce tampon Lockbroi de la collection de Karine Intemporel qui s'appelle Dentelle. Quand je l'ai vu et qu'elle a reçu la collection, je lui ai dit, je suis amoureuse de ce tampon Dentelle. Il est trop beau. Elle avait déjà préparé mon colis d'été. Comme je lui ai dit que j'en étais tombée amoureuse, elle me l'a mis en plus. Donc, vraiment, merci Sylvie. Enfin, elle est d'une grande générosité. Elle est très ouverte. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper accessible. Elle prend du temps pour ses clientes. C'est vraiment une belle personne. Je veux pas vous faire de la pub bourrage de crâne et vous dire allez acheter que chez Sylvie. Il y a plein de belles boutiques aussi, c'est sûr, et plein de belles personnes cachées derrière toutes ces boutiques. Mais franchement, Sylvie, c'est un coup de cœur amical et aussi une personne avec qui il est tellement agréable de travailler. Quand l'inspi n'est pas là, elle est capable de vous trouver en 2 secondes, 1 million d'idées avec chaque chose. Et ça, voilà, c'est là où on reconnaît qu'une boutique, elle est gérée par une vraie scrappeuse, quelqu'un qui a vraiment la passion du scrap et qui est capable d'anticiper en choisissant ce qu'elle va mettre en vente, ce qui peut être fait avec et comment la sortir avec le reste. Et franchement, merci pour tout, Sylvie, d'être là au quotidien parce que c'est un plaisir de t'avoir dans ma vie, quoi. Voilà, je tenais à le dire parce que je pense que c'est important. Je sais qu'elle va la regarder la vidéo. Je le fais pas, voilà, pour faire passer de la pommade. Hein. C'est pas mon genre, vous le savez. Mais vraiment, vraiment, je t'aime beaucoup, Sylvie. Voilà, c'est dit. Vous aussi, je vous aime, mes abonnés. Heureusement que vous êtes là. D'ailleurs, oui, j'avais dit, je le dirais. Merci. Merci à toutes, tout le temps, à chaque vidéo, de me mettre des si gentils commentaires. Vous imaginez pas comme ça me booste au niveau créativité. J'ai tout le temps envie de vous faire des choses. Alors après, j'ai un travail à plein temps, j'ai des enfants, je suis la SPA du coin, vu que j'ai 5 chats et un chien, et des chats errants dont je m'occupe aussi, et un petit lapin de mon travail habite à la maison le temps de se soigner d'une opération. Donc voilà. J'ai une vie assez dense déjà, mais le fait que vous soyez toutes présentes et que vous me suiviez comme ça et que vous me boostiez par vos gentils commentaires, voilà, ça me donne envie de créer tout le temps et de faire plein de choses pour vous. Donc, je vais vraiment essayer d'être hyper régulière, de continuer sur cette lancée, à vous produire des choses quasiment toutes les semaines parce que je pense que c'est important et puis parce que vous me le demandez, vous êtes en attente aussi de ça. Et vraiment, merci, vous êtes des abonnés extraordinaires. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai rencontré des gens merveilleux avec qui voilà, le courant est passé, je suis certaine que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. D'ailleurs, je pense que si c'est maintenu, je vais aller à Version Scrap Lyon le samedi ou le vendredi, je ne sais pas encore, je vous redirai, mais je pense que j'irai à VRS Lyon. Donc voilà, si vous avez envie de venir me faire un coucou, je serai ravie. J'adore ces petits moments de partage, vous le savez, donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, je vous le remontre de près parce que j'ai fait du blabla. Je vous le montre de près, mais franchement, il est trop beau. Je vais vous dire quelle taille il fait. J'avais pas regardé la taille. Il fait 10 par 10, ouais, c'est un carré de 10. Franchement, il est. Enfin, vous verrez peut-être pas bien à l'écran, mais le détail et la finesse de la dentelle, il est magnifique. Alors, lui, je le vois déjà sur un fond un peu craft ou dans des tons comme ça, brun, embossé en blanc. Ça va être une tuerie. Je m'étais posé la question, mais je ne sais pas si c'est faisable. Sur les rangs du haut et sur celui-là, est-ce qu'il est possible d'arriver avec un cutter de précision à enlever les éléments? Pour avoir un effet, par exemple, en le faisant sur du scalque, pour accentuer encore la transparence et la délicatesse du motif, je pense que je le tenterai. Pas en vidéo, parce que ça va prendre 5 h 30, à peu près, au moins, par truc, je précise. Mais j'ai envie d'essayer, je tenterai, mais c'est vraiment petit, petit, il y en a. Mais après, ça peut jouer, hein, et c'est déjà arrivé que certains trucs, je me dis, oh non, ça va être trop galère. Alors après, ça prend un temps fou, mais si le rendu est sympa, je testerai, je vous montrerai. Si je l'ai fait, je l'utiliserai sur une créa que je vous montrerai. Et je vous dirai combien de dizaines d'heures ça m'a pris, mais je pense que ça peut le faire. Voilà, donc je vous ai tout montré, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, je vous souhaite une belle journée ou belle soirée, parce que je ne sais pas exactement à quel moment la vidéo ça va sortir, parce que le temps que je la monte, que je la charge sur YouTube, avec mon super internet qui met 8 à 10 heures pour me charger une vidéo, ça sera peut-être le soir du coup. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, une belle rentrée à toutes, parce que maintenant on a quasiment tous repris. Moi, j'ai repris le travail d'ailleurs, enfin le rythme habituel de travail, et ça se passe très bien. On a une ambiance de fou au boulot.
Et ça me booste ça aussi, parce que voilà, quand tu vas pas au boulot en te disant, j'ai pas très envie d'y aller, là au contraire, je suis moins triste de pas scraper parce que je vais au boulot. Donc voilà, c'est, je vous souhaite la même chose, que chez vous ça se passe très bien, que les enfants, la rentrée, ça soit bien passé. Nous, c'était top, les filles sont ensemble cette année à nouveau. Elles ont une maîtresse que j'apprécie beaucoup, qui est quelqu'un de vraiment bien. Donc voilà, tout roule. C'était une rentrée parfaite. Voilà, donc j'espère que pour vous, ça a été pareil. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!